utiliserez le plus souvent lors de sorties à faible intensité ou en récupération dans les montées très raides. Comme en classique, vous devez pousser simultanément avec votre jambe et votre bras opposé. Mais contrairement au canard alternatif, vous pouvez profiter du temps de glisse sur votre ski. Pensez à bien garder votre ligne d'épaule et votre ligne de bassin parallèle. Votre buste doit rester dans l'axe de la piste. Créez un déséquilibre latéral pour faciliter le transfert de votre poids de corps. Venez chercher une bonne prise de quart afin d'effectuer votre propulsion. Vous devez conserver votre bassin au-dessus de vos appuis et vos fesses ne doivent pas rester en arrière. Utilisez le gainage de vos abdominaux pour garder votre buste droit. Remontez bien vos pieds loin devant lors de la phase de retour de votre jambe.